Hey, yo tout le monde, c'est moi. Ça va? Car moi, je vais super bien. Et on est parti pour Underfell. Ok. C'est vraiment parfait. Donc, on veut, comme d'habitude. Est-ce que ce nom est correct? Yep. On est un pita qui. Oh, c'est beau. Pita, niveau 1. Puis je vais sur 20. Comme arme. Ok, comme Undertale quoi. Il n'y en a pas de fric. Non mais c'est trop beau. Regarde les frisky. En espérant que ce soit frisky, hein. Hein? Qui est là? Je crois que c'est juste dans ma tête. Flowey? Donc tu m'as fait m'en trouver. Le fantôme. Je crois que tu en as eu assez longtemps. À moins que quelqu'un d'autre soit. Elle passe à travers de ces murs. Je sais que tu es là. Au moins. Mets-toi en face de moi si tu veux juste m'embêter. Qui es-tu? Floui. Éloigne-toi! Aïe, aïe. Es-tu un humain? Désolée, je n'ai pas vu. J'ai jamais vu une âme humaine. À part maintenant, quoi. J'ai cru que tu étais un monstre. Je suis tellement désolée si je t'ai attaqué. Tu ne sais jamais qui ou quoi qui va essayer de t'attaquer ici. Howdy, je suis Flowey. Attends, tu es un humain? Ça veut dire que. Oh, non. Emma, je sais que ça me fait beaucoup à entendre. Ça fait beaucoup à comprendre, mais tu dois partir d'ici. Tous les humains sont tombés ici ont été prédestinés à mourir. À cause de ton âme. Ton âme est beaucoup plus puissante que tu peux réaliser. Et non, sont désespérés pour ces heures de pouvoir. Ils ont besoin de la liberté qu'ils ont eue autrefois en traversant la barrière. Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne peux pas partir d'ici. Si tu veux rester ici, bien tu devras crever. Ok, Huma, je vais t'aider à sortir de là. Mais en retour, tu me protégeras, ok? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Ok, écoute. Nanana, nanana. Oui. De toute façon, nous devons être. Que non, Doriel. Juste ce thème est trop. Et beau quoi. Le thème est beau. Attendez, je vais juste vous monter le volume. Et voilà. Vous avez le volume monté. Allez. On doit se soigner. Yes! Ça ressemble pas du tout à Undertale. Ok, regarde. J'ai pas ouvert cette porte depuis longtemps. C'est la seule place sur aux alentours. Par chance. Ce sera uniquement par chance que je pourrais l'ouvrir.
Je ne peux pas être sûr s'il y a un danger derrière cette porte. De toute façon, je compte sur toi. On y va. Merci, Flavie. Ok, nous avons un problème. Bling, mais bleu. Le chemin est bloqué pour toi. Nous avons besoin de... faire baisser les pics. Ça n'arrive pas. J'ai une idée. Tac tac, tac tac, tac tac, ça devrait faire l'affaire. Attends, il y a une inscription. Pensez positif. Penser positivement? Bien, ça va être dur. Mais peut-être qu'il y a des signes en différentes définitions. Voilà, je suis bloqué déjà. Mais ça sort. Oui, une épée qui nous bloque. Il n'y en a rien, quoi. On a que dalle pour nous aider. Peut-être qu'il y a des signes différents. Signification. Attends. Oui, ça veut dire un truc. Non. Touch. Touch. Je sais ça. C'est mon dernier mot. Mais merde. Mais peut-être qu'il y a des signes en différentes définitions. Attends. Quoi? Je comprends rien. Il y a même pas de solution. J'ai peut-être une idée. Tout sauf le centre. Oh. Quatre.
7, 8. Oh, je vais voir sur internet, je reviens. C'est bon, j'ai trouvé. Quoi, c'est même pas ça? Ah oui, là, je pense avoir compris. J'espère tellement que c'est ça. Wow! Je savais que tu serais capable de le faire. Alléluia. Alléluia. On a enfin réussi. L'épée ne nous laisse pas. Bon, on va devoir se battre. De toute façon, c'est Kerm. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce cœur est ton âme, la culmination de ton être. Gna 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 gna. Mais on connaît des explications, hein. Et c'est un mannequin. Lol. On va checker. Un être sans... un corps sans cœur avec une apparence brisée. Il n'a pas l'air d'avoir vraiment d'endurance. On va lui parler. On a gagné. Regarde, c'est comprendre que tu... Ça va être dur pour toi. Mais tu peux pas être ami avec... des monstres hostiles. Désolé, mais moi, je fais de la pacifique. Ne marche pas dans les cailloux. C'est ça. Ok, donc c'est ça, 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 ça. Ok, on va essayer ça. Trop bas. Sérieusement. Sérieusement là. Ok, ne pas dépenser les cailloux. Je vais jamais y arriver, hein.
qu'il faut aller vers le haut. Je me retrouve complètement bloqué là. Ok, je suis officiellement bloqué. Je peux même pas passer entre les trous. On va supprimer tous ces trous. Non. C'est impossible à faire. On va voir sur internet encore, hein. Ok. J'espère que la personne a compris, hein. Sérieusement. Bah quoi? J'ai pas compris. Ok. Ça, 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 ça. Ensuite au beau milieu de celui-là. Donc, tac. Oui, 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 je suis en train de regarder une solution sur internet, oui. Ok. Ça, ça, ça. Troisième. Sur troisième. Je monte jusqu'où? Ok. Tac. Oui, je suis vraiment en train de regarder une solution sur internet, ne me jugez pas. Ici. Je suis en train de me juger. Je le sens jusqu'à là. Et là? Alléluia! Voilà, ça c'est fait. Tiens. Où es-tu, mon enfant? Je suis désolée. Je voulais pas t'effrayer. Et si tu sors, je t'ai préparé une tarte au caramel pour toi, je te le promets. S'il te plaît, sois un bon enfant et arrête de te cacher. Sorry, elle se fait peur.
Here we go. J'ai peur de Tori. Oh, te voilà. Oh, tu es un autre humain? Es-tu perdu, petit, mon petit? Pauvre enfant, comment es-tu arrivé ici? Oh bien, j'ai oublié de me présenter. Quelle impolie je suis. Je suis Toriel, la gardienne de ce temple et gardienne des monstres. Je suis juste en train de regarder pour quelque chose que j'ai perdu. Dieu merci, tu es sain et sauf. Cet endroit est assez dangereux. Ne t'en fais pas, Laure. Ne t'en fais pas. Je vais te guider à travers les catacombes. Sais-tu que je devrais te demander quelque chose? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec cette petite fleur qui te suit? Très bien. Arrête de réfléchir, Flamme. As-tu dit quelque chose? Oh, je suis désolée. C'est dans mon imagination. Bien. Tiens maintenant, mon enfant. Par ici. Flamme. Oh mon Dieu. Elle nous a vus. Mais je peux pas en comprendre pourquoi elle était aussi gentille avec toi. Bizarre. Écoute, on doit être prudent, d'accord? Je sais qu'elle est peut-être sans défense et peut-être marrante. Nous ne devons pas trop la croire. Juste continuons d'y aller, d'accord? Juste continuons, d'accord? Point de sauvegarde. Alléluia, point de sauvegarde. Un monstre. Check. La vie est difficile pour cet ennemi. Aïe. Edgy. Aïe. Mais... je sais pas comment t'esquiver. Sérieusement. C'était ta faute. Sérieusement, Asgore? Heureusement que j'avais sauvegardé, non? Si, au troisième essai, j'y arrive pas. Pourquoi les mouches me suivent? Aïe, j'ai peur, Tori. On va fuir. On va fuir et on va sauvegarder. On va pas se battre. Merde, je vais se bloquer le passage. Je prends une feuille, j'en prends qu'une. Aïe.
Je comprends pas cette énigme. Solution encore. Oui. I don't care. Tiens, il prend la feuille, j'en ai pris une. Je vais vous laisser comme ça. Oh non. Sérieusement, la personne t'a elle-même bloqué là. Ah. Bon. Il est mort, oups. On va complimenter deux fois. Aïe. Wesh, arrête de m'attaquer. Putain, ça fait du bien. Sérieusement. Mais je vais devoir revoir. On dit plus qu'il est impossible.
Il ne peut pas être impossible, ok? Sérieusement, j'arriverai pas. On va consoler. Le piqueur s'attaque, ce merde. Ça... Merde. Ok. J'ai compris. Aïe. Aïe. Je prends une feuille. Putain, ça me... Pourquoi il fait aussi mal? Que j'ai gagné 6 gold. Je pense qu'on va s'arrêter pas pour aujourd'hui. D'accord? Je retourne au point. Et voilà. On va s'arrêter pour aujourd'hui, tout le monde. Ciao!